Vincent Lagaffe, quelles sont ses relations avec son Véronique, la mère de son fils Robin? Vincent Lagaffe s'est séparé de sa femme Véronique il y a déjà presque 20 ans. Une relation qu'il n'est cependant pas prêt d'oublier puisque de ce mariage est né son fils unique, Robin. Dans les colonnes de Gala, l'animateur a dévoilé ses relations très spéciales avec son exemple. Vincent Lagaffe s'est libéré d'un poids. À 63 ans, l'ancien animateur de TF1 sort un livre. Je m'appelais Franck, où il raconte son passé d'enfant abandonné à la naissance. Son adoption mais également ses relations fusionnelles avec son fils Robin. Ce dernier, désormais âgé de 32 ans, né de son mariage avec Véronique, dont il est divorcé. Avec son papa, le jeune homme partage sa passion pour les sports extrêmes mais également la télévision puisqu'il est réalisateur, cadreur et monteur. Une proximité qui fait la joie de l'ex-présentateur du Big Deal, qui a tout fait pour ne pas reproduire le schéma de son propre père. « J'ai tellement souffert d'un manque de complicité avec mon père. Il n'était pas méchant, mais absent. J'ai joué avec Robin, je l'ai écouté », a-t-il confié dans les colonnes de Gala. En revanche, jusqu'à ses 3 ans, j'étais tout le temps sur la route en tournée et c'est sa mère qui l'a élevé. J'ai dû le changer une fois seulement quand il était petit, pareil pour ses devoirs. Mais je ne compte pas les heures à l'extérieur, dans la forêt, à faire des cabanes, des jeux de piste, des tyroliennes, des chasses au trésor. Et s'il est très proche de son fiston, il l'est aussi de la mère de ce dernier. Malgré sa séparation avec son ex-femme Véronique, Vincent Lagaffe n'a pas coupé les liens. Bien au contraire. Il lui a même laissé une place malgré la relation fusionnelle qu'il entretient avec leur enfant. Ils sont également toujours en contact ensemble. Au contraire, je crois qu'elle était très contente de voir que ça se passait bien entre nous. Quand on a commencé à faire des sports mécaniques, elle a très vite laissé tomber parce qu'elle n'arrivait pas à nous suivre. Quand on s'est séparés, on a continué à travailler ensemble, elle gère encore notre société aujourd'hui. On a peut-être raté notre mariage, mais on a réussi notre séparation, a-t-il assuré. Même si l'animateur a refait sa vie avec une nouvelle compagne, pas question pour lui de tirer un trait sur son passé et celle avec qui il a fondé une famille. Cela fait presque 20 ans qu'on s'est quitté, on s'appelle, on se donne des nouvelles, a-t-il expliqué. Il y a une très grande confiance entre nous trois. C'est rare. Un trio soudé envers à jamais. Orice crezi ține pentru tine, fie egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimarul, spike, buia, si, șoapă, grasul, nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc. Crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie când adun...